Arrête un peu, ces drôles de types. Chouette costume. Je savais pas que le caoutchouc était à la mode. Qu'est-ce que tu fabriques, le moine? Ça ne te regarde pas, l'animal. Eh, la fashion victime, on n'a pas eu une semaine facile, alors fais gaffe. Rien n'échappe à la reine, sombre héros. La haine brûle dans ton regard. Super, merci pour l'info. Elle va te détruire, tout comme les précurseurs se sont détruits. Rien à voir avec les autres trucs de précurseurs qu'on a vus. Ces objets ne sont qu'abominations. L'un d'eux est tombé sur le grand volcan. Nous avons envoyé des moines dans la montagne, mais ils ne sont jamais revenus. Sinistre présage. Je crains que la transformation du monde ne soit proche. Je crois que le soleil t'a tapé sur la tête. On y va, Jack. Vous devez partir d'ici. Les héros croient pouvoir sauver le monde, alors qu'eux-mêmes sont perdus. Vous n'avez aucune idée des forces noires qui sont à l'œuvre ici. Ne me parle pas de forces noires. Je veux savoir ce que c'est. N'approche pas. Oh, le faux beau gosse. Jack ici connaît pas du tout, tu sais. N'approche pas, parce que c'est même pas ce que c'est. Donc là, on est dans un mini-jeu. Donc moi, j'adore ces mini-jeux. Comme l'avait dit David, il y en a aussi sur Daxter, sur PSP. Moi, son petit mini-mode là de Matrix, mais qu'est-ce que j'y avais joué. J'avais cru entendre qu'il avait dit 400. Son record, ouais, moi, je devais pas être loin. Franchement, j'avais essayé de faire les meilleurs scores, mais... Je sais pas, même si le jeu et le concept est vraiment tout bête, c'est vraiment génial quoi. Et je veux dire, limite, on fait un jeu comme ça sur iPhone, c'est tout simple, mais vous êtes millionnaire. Non mais sans déconner, vous faites un jeu comme ça, aussi stupide que ça, une petite application sur l'iPhone, et vous êtes millionnaire, c'est obligé, tout le monde va l'acheter. Enfin, peut-être vous mettez pas une espèce de tentacule bizarre, mais genre vous mettez un gros smile avec un mec avec qui a le sourire et tout. Franchement, ça peut marcher, hein. C'est même sûr, ça va marcher, c'est obligé. Bon, alors là, le but c'est 75, donc pour l'instant j'ai pas fait de faute. Pour l'instant, on vise le perfect, la première place là. Alors, je sais pas, par contre il n'y a pas de mode facile, difficile sur Jack and Daxter. T'as réussi, Jack! N'y touchez pas, de l'écho noir. Ouais, ça t'en bouche un coin, hein, mec? Tu peux le féliciter? Ce sont des cristaux d'écho. La légende veut qu'ils renferment le pouvoir extraordinaire de la technologie précurseur. Étrange. Ce dialecte est ancien. C'est du précurseur des premiers temps. Ça parle de reprendre possession de ce monde inachevé. On dirait des coordonnées, comme celles de... Le signal capté est très puissant. J'ai comme l'impression qu'on va pas aimer ce qui nous attend. Même toi, tu ne peux pas nous sauver, héros. Eh, c'est moi le héros ici. Appelez-moi l'éclair orange. Tu portes peut-être la couleur de nos créateurs, animal, mais nous nous sauverons nous-mêmes. Reste en dehors de ça. Toi et l'éclair orange n'êtes pas les bienvenus. Bon, eh bien, c'est gentil tout ça. Déjà, le petit monsieur, il nous dit qu'on est un héros, et ensuite, il nous dit qu'on n'est pas les bienvenus. Mais il se prend pour qui, là? Dis donc, j'étais en train de remarquer ça tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est Daxter qui tourne la tête de Jack. Regardez. Toc. C'est Daxter qui tourne la tête de Jack. En fait, c'est vraiment Daxter le héros. C'est les yeux de Jack. En fait. Bon, ça, en fait, c'est comme si Jack était aveugle et que Daxter faisait tout pour lui. Il le guide et tout. Et regardez-moi cette deuxième lune, parce qu'il y en avait une là-bas, normalement. Alors, je sais plus. Voilà, il y a une lune là. Et là, il y a une deuxième lune, c'est ça qui est intense dans Jack and Daxter. C'est que c'est un univers énorme. Bon, alors lui, on va le prendre, voilà, il se cachait, il nous narguait. Alors, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Celui qui est là-bas, je l'avais pris. Alors par contre, c'est que là, ils sont assez loin, les machins. On a une nouvelle mission avec un point. Bon, écoutez, on va aller voir ce que c'est. Hein. Alors, on va prendre un petit lézardosaure. Bim.
Et donc, le moine, bah écoutez, bah c'est un moine, on sait pas trop ce qu'il fait. Oh, tiens, bah, j'ai eu un orbe là, je sais pas comment je l'ai eu. Ah oui, je me souvenais, il y en avait un dans l'arbre là, juste là. Hop, tchac, vous l'aviez pas vu, et bah moi, je l'avais vu. Bim bim bim. Donc, c'est pas comme dans Jack 2, à la différence que là, il y a un jour et la nuit. Donc là, on est en période de nuit. Et le jour, je sais pas combien de temps ça met avant de repasser au jour. Donc là, je vais quand même choper les orbes, enfin les gemmes, pardon, parce qu'il y en a quand même pas mal à choper. Voilà, nickel. Là, il y a peut-être un orbe. Non, c'était une feinte. Je sais pas si ça fait office de trampoline, ça, bah si. Ah, là, il y a des trucs, là. Là, je suis sûr, un orbe là-dedans, là, même pas de la vie. De la vie, ça sert à rien du tout. Bon, bah, y a rien à faire. Si, peut-être, je sais pas si vous voyez sur la carte, il y a un petit point vert. Ça, c'est des missions secondaires qui nous permettent. Tiens, on va aller voir. Ah, tiens, bah, justement, on doit dépenser nos gemmes pour pouvoir accéder aux missions. Atteins vite cet endroit pour une récompense. Ah, je sais où c'est. Oui, donc à ce qui paraît aussi, j'ai oublié de le dire, il y aurait des cheats pour avoir tous les orbes précurseurs rien que maintenant. C'est-à-dire que genre on saute, on fait start, on fait recommencer la mission. Bah, d'ailleurs, je vais essayer, tiens, je vais voir. Je sais pas si on peut recommencer. Normalement, on tombe sur l'objet. Recommencer. Recommencer mission, oui. Et là, on tombe. Encore trop lent pour un héros. Et là, on le récupère. Pour prouver ta valeur. Ah, je vais réessayer. Parce que j'ai vu cette petite astuce sur jeuxvideo.com et je l'ai pas essayé. Donc attendez. Le principe, c'est de recommencer la mission et ensuite, une fois qu'on fait recommencer, on tombe sur l'œuf et on l'a. On va essayer le petit vicieux. Alors là, on est juste dessus. Voilà, où là on est bien. Là on fait recommencer. Donc j'étais à combien d'œufs secrets? J'étais à 9. Ok. Donc là je suis à 9 œufs. Recommencer. Hop, recommencer mission. Et là normalement je retombe pile dessus. Non! Mais c'est vraiment abusé. J'étais dessus là. Ah, peut-être que si je fais le rond. Je vais essayer de faire rond pendant. On y croit. Allez yo-yo, allez good le cœur. Bon déjà là on commence mal. On se prend les murs et tout. 16 secondes. C'est bon, il faut vraiment être pile poil dessus. Hein. Franchement c'est pas évident. Je sais même pas si ça marche, c'est juste que j'avais envie de tester. Alors là, hop. Et là je peux pas être mieux dessus, vous êtes d'accord là? Affiché. C'est où recommencer? Je vais appuyer sur rond dès que je retombe. Recommencer mission. Oui, et là j'appuie sur rond. Allez, rond. Non. Bon, tant pis, hein. Je vais le prendre version normale. Et puis voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça se trouve, peut-être l'astuce elle marche. Mais j'ai pas envie d'essayer de passer 3 quarts d'heure à la faire. Même, je pense, pour avoir les 600 œufs, franchement, pour faire ça, il faudrait une journée. Parce que déjà, si ça marche une fois sur 10. On est mal barré, quoi. Et oui, il arrive pour la 6e fois vers l'œuf précurseur. Et oui, il l'a eu. Magnifique. Tu me sembles prometteur. Avec la petite voix très sensuelle derrière. Du petit machin, là. Faire genre style wesh. Wesh, la famille. Tu es le héros. Tu as récupéré l'orbe précurseur. Bon. Allez, nous on va aller en freestyle là, bim bim, on va semer la pagaille, vas-y, c'est la teuf là. Oh, tu crois que je t'avais pas vu toi? Tu crois que je t'avais pas vu? Non mais sincèrement là, sincèrement. Sincèrement, allez, sous le pas là, voilà, c'est bon, je suis. Hop, alors là on peut pas encore aller par là. On va aller au niveau du point. Pew.
Alors, moi, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais bon, après, je vais peut-être vous en parler juste après la cinématique, là. Parce que c'est assez long à dire. Alors, descendre du lézard de dehors. Allez, tiens, pour la route, voilà. Et on va aller parler à... Tiens, tiens, voilà les petits nouveaux. Cause toujours, gros plein de soupe. On verra bien. Ferme-la, face de rat, ou je t'écrabouille. Oh, ça sent vraiment pas la rose. J'ai trois mots à te dire. Brosse à dents. Chouette bolide. Ils sont cool, hein? On s'en sert pour aller au fin fond du désert et y récupérer des objets. Engins d'enfer pour boulot d'enfer. Et on les essaie quand? Excellente question. Mais pas de cela. Ça, c'est pour les grands garçons. Vous pouvez prendre celui-là. Ah! Plutaco! Il est fait pour toi. Monte, Dax. Je conduis. Qu'est-ce que tu dirais de pimenter un peu la course? Si tu gagnes, tu pourras garder ce petit bolide jusqu'à la fin de tes jours. Et si je gagne? J'ai rien à proposer. Ton rongeur de malheur est un peu maigrichon, mais sur du pain et du beurre, j'en ferai bien mon 4 heures. Mon bolide contre lui. Oublie ça, mec! Jack ne ferait jamais! Ok. Quoi? T'inquiète pas, s'il y a bien un truc où j'assure, c'est la course. Pain et du beurre, j'en ferai mon 4 heures. Allez, ça rime, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est intense. Donc là, toujours un petit didacticiel avec le nouveau mode, bah, je vais encore le dire, pour se transporter dans... Le nouveau mode pour se transporter, mais qu'est-ce que je dis? J'ai pas les mots qui viennent là. Le nouveau moyen de locomotion de Jack 3. Donc, pour regarder en arrière, voilà, ok, donc c'est des voitures, franchement, ça a révolutionné le truc. Quand tu vois la jaquette du jeu, tu te dis, waouh, il y a des nouveaux bolides et tout, c'est trop frais, il faut que je l'achète. Moi, en gros, franchement, c'était ça quand j'ai vu le truc, voilà. Donc là, je sais pas ce que c'est aussi, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Peut-être on le verra plus tard. Bon, bref, alors le sujet que je voulais aborder tout à l'heure. C'est que hier j'ai un ami, enfin j'étais avec un ami, on dansait parce que on faisait du hip-hop. Alors là j'ai un petit problème technique, voilà. On dansait du hip-hop et là il y a un de ses amis qui l'appelle, il lui fait ouais faut que tu viennes au Gaumont parce que enfin bref j'habite à Rennes. Ils disent ouais faut que tu viennes au Colombier et tout, il y a un moyen facile pour se faire de l'argent. Et là on se dit waouh moyen facile pour se faire de l'argent, vas-y on va se faire trop de thunes et tout. Et mon pote, il fait un BTS, mais il a eu quelques cours de droit, donc il s'y connaît un peu. Et pour dire qu'on n'était pas ignares sur le sujet, quoi. Et il s'est dit, ouais, s'il y a une arnaque, bah, je le verrai tout de suite, quoi. Et donc, du coup, on va au Colombier, et il nous dit, ouais, c'est une technique pour gagner de l'argent et tout, venez, suivez-moi. Donc, bref, on s'est retrouvé dans un hôtel. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? L1 pour sauter sur place, ah ouais, ça sert à rien, c'est stupide, mais bon, on sait jamais. S'il y a une petite souris qui passe, bah hop, tac, je l'esquive, et puis voilà. Et puis il y a trois rigolos qui se ramènent vers nous et qui nous présentent entre guillemets leur métier parce que nous on croyait qu'ils faisaient un métier. Ah ouais. Donc là, on arrive pour le départ de la course. La vie de Daxter est entre nos mains. Oula, d'ailleurs, ils ont des pics sur leurs roues, là, c'est des petits grugeurs.